Salut toi. Eh bien bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je navigue juste derrière le Fort Boyard. Il est juste ici. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de houle. Il y a beaucoup de vagues. Oula, ouh, elle a été grosse là. Non, j'arrête de faire le con, sérieux. Aujourd'hui les gens, j'ai été invité à participer à Fort Boyard. Moi, Jolate, j'ai été invité à participer à Fort Boyard sur Minecraft. C'est un bon début. Alors moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être un court résumé. Mais je vous invite à aller voir l'émission en intégralité sur la chaîne de Deadmau5. Je mettrai la vidéo dans la description. Et franchement, mais c'était tellement cool. On était une petite équipe, c'était super cool. Il y avait The Doctor, il y avait Père Fouras, il y avait Ayoki, Ayoko. Voilà, je leur fais tous des dédicaces. Il y avait Deadmau5, bien sûr. C'était excellent. Bon bref, les gens, je compte sur vous. Vous me faites péter les pouces bleus sous la vidéo. Et si on atteint un nombre de pouces bleus faramineux, eh bien, je vous promets, on se fait un Fort Boyard sur Minecraft. Sur la chaîne avec vous les abonnés. Et franchement ce serait super cool. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes chaud pour qu'on se fasse une petite émission Fort Boyard sur la chaîne avec vous. Là je me mettrai là comme ça et je vous poserai des petites énigmes. Tranquille tu vois. Je pourrais me mettre ici aussi avec mes amis dans le bateau. Regardez, je suis sur la voile. Bon j'arrête de faire le con, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le Fort Boyard. Alors comment allez-vous? Ça va, ça va. Mister Boo, salut Mister Boo. Voilà. Attention Dridri parce que Passepartout il est prêt à fermer la porte, hein. Ça le démange, hein. Il est méchant. Il te reste 10 secondes. Allez Dridri, tu peux faire un dernier passage. Un dernier passage. Vite, sort Dridri. Oui. Oui. Yes. GG. Bon, malheureusement, tu n'as pas eu la clé, mais tu as réussi. Ah bah non, bah pas GG alors. Bouh, Dridri. Allez les gars, encouragez-moi, hein. Allez! Ouais! Ouais! Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu es prêt, Jolate? Oui, je suis prêt! Pour cette épreuve, tu as 1 minute 10 et pas une seconde de plus. Attention, je vais vous faire honneur. 3, 2, 1, et c'est parti! Ok, allez. Let's go! Oulala, il fait bien noir, dis donc, hein! Je vois oui. Pas grand chose là-dedans, hein! Allez, Jolate! Allez! Un petit peu d'encouragement, les gars, je vous attends pas! Oui, voilà! Ok, j'ai la clé, les gars! Ok, bah, alors, il faut que tu reviennes! Descendre, c'était facile, mais remonter, c'est la galère quoi. C'est vraiment la galère les gars. J'entends pas les encouragements les gars. Allez, voilà. allez. Le petit cri de guerre bien sûr. Toujours. Nous avons des sioux avec nous. Par contre c'est très difficile à remonter. C'est la galère, il reste combien de temps là? Il te reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. 20 secondes. Ah je suis presque arrivé, je suis presque arrivé. Allez, je suis presque arrivé. Allez. Ah putain, et je... vous me croyez, j'arrive pas à revenir. Ah ouais. 10. Attends, attends, non. Passepartout, ferme pas la porte, Passepartout. Allez, vite. Je suis arrivé, je suis arrivé. Allez, yeah. Alors, Passepartout, tu voulais fermer la porte. Il est méchant. C'est Taluki qui part en vigie, on l'applaudit. Allez, Taluki. Bonjour et bienvenue dans la vigie. Aujourd'hui, je vais te proposer une énigme. Tu pourras donner autant de réponses que tu le souhaites. Alors n'hésite pas à dire tout ce qui te passe par la tête. C'est un instrument de musique. Des coups de baguette, il n'a pas peur. C'est une figure géométrique. Une pyramide en comprend plusieurs. Qui est-il? Une batterie? C'est un instrument de musique. Des coups de baguette, il n'a pas peur. C'est une figure géométrique. Une pyramide en compte plusieurs. Qui est-il? Dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Oh, je vois pas. Oh. Batterie. Oh, ça fait 1 minute, je suis désolé, ma petite Aluki. C'était le triangle. Et oui. Oh, oui. C'est un instrument de musique qui prend des coups de baguette. C'est aussi une figure géométrique, une pyramide. Désolé. En... Oh, désolé. Et oui, Aluki, c'était le triangle. Voyons, oui. Je l'ai trouvé dès la première réponse. Donc, okay. Tu as une table A et une table B. Est-ce que la table A fait la même taille que la table B? On peut pas t'aider, Yoko, on la voit pas. Ouais. On compte sur toi. Je dirais que non. Je dirais que la table A et la table B ne font pas la même taille. Elles ne font pas la même taille. Eh ben pourtant, elles font exactement la même taille. Reprends-toi, Yoko. C'est pas grave, ça fait plus de boyard pour moi. Tu te calmes, Père Fouras, là. Tu veux finir en taule? Déjà, c'est un bon point, déjà. On n'a pas encore fait un prisonnier. Sur cette épreuve, vous partiez en prison. Ce sera un peu dommage. Allez, Spectre. T'as l'air d'un bon jumper. On va peut-être pouvoir te voir passer, là, par la porte. Allez, attention, t'as un grand saut à faire, en fait. Non. Oh. Oh, Spectre. Tu t'es trop précipité. Malheureusement, vous venez de perdre, Spectre. Regarde comment il est content, Passepartout, là. T'inquiète pas, on viendra te délivrer, Spectre.
Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, tu peux rentrer dans l'épreuve. Ok, vas-y. Let's go. Oula, la porte est déjà fermée. Ok, attendez. Ah. Il est déjà rentré dans l'épreuve. Mais alors, attendez. Il y a déjà un esprit. Allez, qui bloque la porte, rentrer, là. Tu peux rentrer. Ok, c'est parti. Ah bah non. Ah. Non. C'est bloqué. Un esprit alors, m'empêche attendez. De passer. Okay, cette attends. Porte est satanique. Petit problème dans régie. 3, 2, 1. Ah, et c'est parti. Allez, courage. Ok, c'est parti. Allez. Et attention, la porte vient de se fermer derrière toi. La porte vient de se fermer. Ouh là là, qu'est-ce que ça fait peur là-dedans, mon dieu. Il y a des fantômes. Alors, un peu partout. Alors, il faut que tu regardes hein. un peu partout. Tu verras, tu auras des passages secrets qui vont s'ouvrir. Voilà. Ouais, je vois un bloc avec un bouton, là. Est-ce que t'as vu qu'il y a une porte qui s'est ouverte? Ah oui. D'accord, oui, ça continue, ok. Donc, attends, regarde partout, il faut que tu trouves la clé. Ah, il y a des toiles d'araignée, par contre, là. Je vois aucune clé, là, pour l'instant. Ah, il y a des petits passages, hein. D'accord. Attention. Oh. Il y a un truc qui a explosé. Oui, c'est normal. T'es dans un manoir hanté. Je vois rien, hein. Alors, cherche bien. Allez. Je cherche. Il n'y a rien dans les coffres. Il reste combien de temps, là? Là, il te reste... Allez, il te reste 33 secondes. Bah, c'est dingue, ça. Bah, elle est où, la clé? Ah. Est-ce que t'as trouvé qu'il y a un passage qui s'est ouvert? Non, non. Ah, si, si. Regarde bien. Il y a un passage qui s'est ouvert. Eh oui, regarde bien dans tous les endroits. Regarde partout. Putain, mais c'est dingue. Bah, je vois rien. Je ne vois rien, il n'y a pas de passage qui s'est ouvert. Où est-ce qu'il y a le passage? Regarde bien partout. Ah non, elle peut pas. Je vais montrer en caméra. Regardez bien, il y a un endroit qui est juste ouvert, qui vient de s'ouvrir. Il y a un endroit qui vient de s'ouvrir. Oui. Allez, attention, 15 secondes. Ah bah. Je vois rien. Non. Ah. Oh putain, il y avait un autre passage ici. Allez, attention. Allez, je l'ai. J'ai trouvé un passage. 9, 8, ah, c'est mort, 18, c'est mort. 6, c'est mort, 5, c'est mort, c'est mort. Oh non. Je sors. Il est sorti. Je sors. Ouais. Je sors. Je sors. Ouais. Bah ouais, mais j'ai pas vu. Franchement, déjà, je l'ai vu tard le passage derrière le squelette là. Je m'attendais pas à cette défaite fracassante. Il est content, Passepartout est content, hein. Qu'il est méchant. Vas-y, allez, dis-nous si elle est fraîche. Mais sérieux. Passepartout, dis-nous si elle est bonne. Il y a déjà un Lucky qui nous le dit. Non, non, on arrête, faut arrêter, attention, un peu de concentration. C'est pour vous l'équipe que je le fais, hein. C'est pour vous. Hein. Ok, j'y vais. Allez, courage. C'est parti. Ouais. Oula, ouh, dis donc, qu'est-ce qu'elle est fraîche. J'ai failli faire une hydrocution là sur le coup là. Ouh là 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 là. Lucky, on dit la même chose. Donc là, faut que j'aille chercher le coffre en dessous de la torche, voilà. C'est ça? Tu vas jusqu'à la torche, tu verras, t'as un coffre sous l'eau. Ok, je le vois. Et après. Il y a une petite île juste là-bas qui est très sympa, ma foi. C'est la Charente-Maritime qui est en face. Ok, j'ai le parchemin. Ok. Nickel. Le code, c'est 1568. Ok, donc je te laisse aller jusqu'au bateau. Je vais te dire, tu as 2 minutes pour cette épreuve. Ok, bon, là, je pense que j'ai encore le temps. Par contre, faut que je trouve le moyen de monter sur le bateau. Il y a une échelle ou... Alors, tu verras, t'as un accès, oui. Ah ouais, je vois l'échelle, ok, d'accord. Bon, c'est mal barré, hein. Comment que ça se passe de là-haut, vous me voyez bien? Nickel. Wow. Ouais, d'accord. Ok, c'est bon, je suis sur le bateau. Alors maintenant, il faut que tu rentres dans le bateau, tu vois. On va au niveau du dernier mât, voilà. Oui. Là, t'as un accès. Ouais, il y a une échelle. Oui. Je rentre dedans. À toi de rentrer le code. D'accord, donc 1568. Allez, il te reste moins 30 secondes. Ça veut pas appuyer? Il faut que t'appuies sur les... Regarde, t'as les leviers. Ah, sur les leviers, ok, voilà. D'accord. Ah, c'est bon, allez, c'est bon, je l'ai ouvert. Allez, Jolat. C'est bon. J'ai la 10. Ouais, j'ai la 10. J'ai la 10, les gars, c'est bon. Yes. Montre-le à tes camarades de loin. Regardez, j'ai la 10. Il est dans la main. C'est bon. Ah, on s'est passé quoi, la 10? Ah, tu pourras pas l'ouvrir tout de suite. On peut pas l'ouvrir tout de suite. D'accord. Eh ben, franchement, très bien. Ouais, je m'en suis plutôt bien tiré, ça va. En restant modeste. Ah bah, ça va. Allez, vas-y, on court. Il est tombé. Ah bah, c'était un fail. Je vais donc appeler Jolat pour cette dernière. J'arrive. Énigme. Tu peux te mettre devant la porte et ouverture de la porte. J'ai toujours rêvé de rentrer dans la salle du temps. C'était un grand rêve qui se réalise pour moi. Et une fois que la porte s'ouvre, et te voici. Ouh. Bonsoir. Bienvenue dans la salle du conseil. Bonsoir, bonsoir. Tu vas donc répondre à Énigme, pareil, pour avoir 30 secondes dans la salle du trésor. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. J'avais les deux d'avant, mais je sais pas si je vais avoir celle-là. Ces formules sont connues. Celle du cœur est peu pratiquée. Apanage des hommes civilisés, elle est encore bien méconnue. Qui est-elle? Ah, et comme par hasard, celui-là, je l'ai pas. Qui est-elle? Ces formules sont bien méconnues. Ces formules sont bien connues. Ces formules sont bien connues. Celle du cœur est peu pratiquée. Apanage des hommes civilisés, elle est encore bien méconnue. Alors là, franchement, là, par contre, là, vous pourrez répéter. Répéter la question. Les formules sont connues. Oui. Les formules sont connues. Celle du cœur est peu pratiquée.
apanage des hommes civilisés, elle est encore bien méconnue. Qui est-elle? Je lis pas. Malheureusement, c'est la fin. C'était l'opération. Il s'agissait de la politesse. La politesse. La politesse. Alors, attends. Ces formules sont bien connues. Les formules de politesse. Celle du cœur est peu pratiquée. Celle du cœur est peu pratiquée? Oui. La politesse du cœur? Pas ce que j'ai compris non plus. Mais... Hein? C'était l'opération, moi, l'opération du cœur et tout. Je vais commencer à mettre dans le chat du coup les indices. Aérien. Et attention, d'accord, je lance le temps. Aérien, vert. C'est tout. Avion. Aérien, vert. Avion, militaire. Pour rappel, vous avez le droit de faire des sacrifices. Qui veut se sacrifier? Moi. Gamer. Alors, allez, gamer. Je vais demander à Félindra de rentrer les tigres. Je prends le S. Ok, gamer prend le C. Okay. Est-ce qu'on est tous Félindra placés? Félindra. Tête de tigre. Tête de tigre, Félindra. Ah. Alors. Est-ce que c'est ça? Moi, je pense que c'est ça. Hein.